Alors, Juki a 6 ans, on l'a eu à 3 mois. En fait, avant, j'avais un Jack Russell qui était toujours avec lui. Et ils ont fugué une fois 24 heures. Le Jack Russell n'est jamais revenu. Juki est venu alors qu'il était bébé, il avait que 6 mois. Et depuis, il a un comportement un peu contradictoire. On va croiser certains chiens. S'il était lâché, je ne sais pas comment il réagirait. Et ça n'a rien à voir ni avec la race, ni avec le sexe, parce que ce soit des petits chiens ou des gros chiens, on a regardé, ça n'a pas d'importance. Donc la vétérinaire m'avait dit qu'il s'était peut-être fait attaquer par une bête sauvage ou un autre chien. Elle pense qu'il y a eu un traumatisme, ce qui fait que maintenant, on ne sait pas trop comment il va réagir. Et c'est vrai que quand on le promène, je sais très bien que je suis un peu stressée. Quand on va croiser un chien, comment il va réagir. Donc je lui communique peut-être aussi le stress là. S'il y a un autre chien, qu'on lui dit « Juk » au pied ou quoi, c'est fini. Il n'écoute pas. On l'a toujours promené régulièrement, mais c'est vrai que à partir du moment où il a eu une fois une réaction agressive, je le lâche que quand il est, par exemple, comme ça, derrière chez nous, on a des champs, je le lâche quand je sais qu'il n'y a personne. Est-ce que vous êtes prête à rencontrer la chaîne spécialisée? Je pense qu'il va vouloir tirer, je pense qu'il va vouloir l'enquiquiner peut-être un peu. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Avec Dixie, la chaîne spécialisée, la chaîne thérapeute, c'est maintenant. Alors elle est tout de suite venue vers lui et lui a rapidement léché l'œil gauche. Juki n'a pas réagi du tout, comme si elle avait décelé qu'il y avait un problème. Un chien qui s'approche, enfin qui se laisse pas trop approcher, ouais c'est... Enfin je suis un peu scotchée, je crois que je suis restée là-dessus. Enfin elle prend son temps, elle regarde,
Elle ignore aussi une façon de l'enquiquiner un peu, qu'ils comprennent. Non, c'est dingue hein, quand même. Hein. C'est vrai que quand on voit les vidéos, ça, on est déjà un peu émerveillé. Mais là, de la voir en vrai et comment elle a réagi avec lui, moi le connaissant, ouais, il y a quelque chose qui se passe. Parce que c'est vrai que là, il a l'œil qui coule, pas qu'il ait pris un courant d'air quand on a roulé là. Parce que comme il était dans la voiture, c'est vrai que j'ai ouvert un peu les fenêtres pour qu'il ait... Il est plus d'air, pas que d'attraper une conjonctivite ou autre chose, mais oui, oui. Thank you.
Bah, la première chose qui m'a marquée, dont j'ai parlé à mes fils, c'est que tout de suite Dexie a été liléché l'œil et que Zuki n'a pas bougé du tout. En plus, c'est vrai que le deuxième, ça l'inquiète les yeux verrons, parce qu'il avait lu des choses là-dessus aussi, en comme quoi les yeux verrons étaient plus fragiles. Voilà, on a dit qu'on allait rapidement voir un vétérinaire pour voir ce qu'il en est sur cet œil. Et c'est vrai que Juki, contrairement à d'habitude, Dexie est venu tout de suite vers lui. Il n'a pas aboyé, il n'a pas grogné non plus. Ben, les fois où il semblait un petit peu entreprenant envers elle, elle a su, avec bienveillance, elle a su le recadrer. Il n'y a pas eu d'agressivité, donc ça déjà, ça m'a rassurée. Ben, j'espère qu'aujourd'hui, elle donnera le feu vert pour voir s'il peut être lâché avec d'autres congénères. Eh bien, allons-y. La chaîne spécialisée chez Thérapeute, c'est maintenant. Thank you.
On va pas lui enlever la laisse, c'est ça? D'accord, mon bébé, mais tu es extraordinaire, mais tu es incroyable. Et tout à l'heure, on aura le verdict sur ton analyse que tu as pu faire hier et aujourd'hui par rapport à notre docteur. Bah oui, extraordinaire, mon Dixie, tu as été vraiment incroyable. Incroyable. Feeding me with all these lies, I feel sick. You're a bad choice that I made 5 years ago at some party in New York. Are you texting me to tell me that I'm shit? Why are you still going on about things I never did? Maybe you can't see that I'm hard to hold. I know I'm a basket case you think should be alone. But I still have my friends, don't want you. All I need is them, don't want you. I can barely sleep 'cause of you. But I still have my friends, don't want you. You're a nightmare, reminding me of who I am. I feel scared sometimes. Would you leave me be? I know I'm a mess, but I don't need you. Déjà, j'étais contente qu'elle donne le feu vert pour le détacher. C'est rassurant. Et par rapport à hier, je l'ai trouvée, elle est venue une fois, après elle s'est assise à distance. Et on a eu l'impression, quand elle a vu Juki se mettre assis, qu'il était assez calme. Comme si c'était un test pour voir s'il était assez serein pour pouvoir être détaché. J'avais un doute si je le lâchais, s'il serait agressif ou pas. Je me disais, purée, si j'arrive pas à le tenir et que je le lâche, j'avais peur qu'il soit agressif et qu'il fasse du mal, que ça soit au chien ou à la personne qui est avec. Parce qu'en temps normal, il aurait déjà grimpé dessus. Puisqu'il le fait même avec des chiots ou avec des mâles, ça l'embête pas, quoi. Là-dessus, il est pénible. Et c'est vrai que sur Dexy, il a même pas essayé. Eh ben, elle est retournée quand même le sentir, donc j'ai hâte de voir le vétérinaire ce soir pour qu'il me dise... Ne serait-ce que s'il a attrapé une conjonctivite ou qu'il a autre chose qui l'enquiquine, quoi. Parce que c'est vrai que c'est compliqué pour nous de savoir s'il voit bien, si on dit qu'avec un œil, ils arrivent à se repérer, mais peut-être que s'il y a un chien qui vient du côté de l'œil où il voit pas bien, ça peut l'angoisser. Et c'est peut-être pour ça que des fois, il est plus agressif. J'ai hâte aussi de voir le résultat. Oui. En tout cas, je suis contente d'avoir, grâce à vous, pu avoir un rendez-vous aujourd'hui. Comme ça, on sera fixé rapidement. Ça enlèvera déjà certainement un souci qu'on pourra prendre en compte. Mais c'est marrant parce que mon fils, il y a quelques mois, il me disait « Tu sais, j'ai lu des choses sur les yeux verrons, les yeux clairs sont plus fragiles. » Quand j'avais demandé à la vétérinaire, elle avait dit que c'est vrai que sur des yeux clairs verrons, il y a plus de risques. Mais elle dit que c'est pas énorme. Mais il y avait quand même plus de risques. Donc si on arrive déjà à enlever le doute là... Parce que c'est vrai que même une conjonctivite, si c'est une conjonctivite, pour nous les humains c'est déjà gênant, donc je me doute que pour lui aussi. Le fait d'être dedans et de connaître son chien et de voir comment il est avec Dexy alors qu'il est complètement différent quand il est que avec nous et qu'on croise d'autres chiens. Et pour moi ça confirme qu'il n'y a pas mieux qu'un congénère pour donner les codes. Hein. Surtout que Badjuki il a 6 ans maintenant et qu'on a beaucoup de retard quoi. Et je me dis si on avait connu cette méthode avant, je pense que dès que je l'aurais eu... Je serais venue vous voir pour tout de suite comprendre le chien. Juki a bien dormi. On l'a emmené hier chez le vétérinaire pour son œil. Alors il y avait peut-être une sensibilité due au trajet qu'on a fait en voiture avec un peu les fenêtres ouvertes. Il a dit que les bergers australiens de couleur bleu merle, donc comme Juki,
était plus propice à avoir des problèmes de vue, notamment sur l'œil qui est dépigmenté, donc l'œil que Dexy a léché. Comme on a fait 4 heures de route et qu'on avait ouvert les fenêtres, il a dit entre l'excitation et le courant d'air, il avait effectivement l'œil qui coulait un peu plus. Mais pour l'instant, au niveau pathologique, il n'y a rien, mais ça sera à surveiller de toute façon. Puis c'est vrai qu'à la clinique vétérinaire, là, avec vraiment le spécialiste ophtalmologiste pour les chiens, il a pu lui faire le fond de l'œil et tout ça, vraiment l'examen à fond. Juki a été assez sympa, il s'est laissé faire. Et du coup, il y avait beaucoup de chiens en salle d'attente. Cette Juki n'a pas aboyé. Il a juste tiré sur la laisse parce qu'il y avait un bébé berger australien, donc ils sont allés se faire des bisous. Mais je veux dire, il n'a pas eu de... Il y avait un golden retriever âgé qui était couché, il n'a pas été l'embêter. Donc j'étais assez surprise. Parce qu'au début, ma fille était angoissée, on n'avait pas de place pour se garer, c'est elle qui l'a rentrée. Elle m'a dit, maman, il y a plein de chiens. Je dis, écoute, il faut qu'on voit aussi comment là, il va réagir. Et franchement, il s'est bien tenu. Alors qu'avant, on ne serait pas rentré s'il y avait d'autres chiens. Après, c'est vrai que j'aimerais bien le voir en contact avec d'autres chiens pour voir si... Il a ce même comportement qu'avec Dexy pour voir s'il a compris. Justement, on va aujourd'hui mettre en situation votre chien avec une nouvelle chienne. Il s'agit de l'assistante de la chaîne spécialisée, Eden. Ok. On est parti ? On est parti. Never could have been thinking I would know. What the future bring, all the highs and lows. Said I'm gonna win, though the world might spin. Now I'm sitting here like I'm no one. Qu'est-ce que vous souhaitez partager aux gens qui nous regardent par rapport à votre expérience à la méthode Gunn ? Déjà, si j'avais connu cette méthode que mes fils m'ont fait connaître, je l'aurais fait dès que j'ai eu Juki. Déjà avoir la bonne méthode moi par rapport à lui et que lui comprenne aussi les codes canins avec ses congénères. Après, c'est vrai que là, en le voyant aujourd'hui lâché sans collier avec deux chiens, j'y aurais jamais cru. Ce qui m'a frappé aussi le premier jour, c'est que Dexy a tout de suite été lui lécher l'œil gauche et Juki n'a même pas bougé, il n'a même pas essayé de se reculer. Du coup, on est allé voir sur vos conseils
un vétérinaire spécialiste en ophtalmologie. Bah après, moi j'étais ravie du deuxième jour quand Dexy a donné le feu vert pour lui enlever le collier. C'était surtout ce que j'attendais pour voir si c'était possible. Et ça s'est bien passé. Non, très positif. Puis en plus, hier en allant chez le vétérinaire, il y avait plusieurs chiens en salle d'attente. Et nous, on stressera peut-être aussi moins de savoir qu'en fait, il sait se comporter avec d'autres chiens. Je sais que si à l'avenir, après Juki, je devais avoir un autre chien, je sais où venir tout de suite. Parce que je m'en veux un petit peu d'avoir perdu... Bon, après, il n'a pas été malheureux, mais je veux dire, j'aurais pu en profiter plus si j'étais venue ici tout de suite. J'aime faire des randonnées et j'ai envie de pouvoir le prendre avec moi et sans avoir le stress de se dire s'il y a un autre chien, comment il va se comporter et tout ça. Le but d'avoir un chien, c'est aussi de partager des moments avec lui. Un dernier mot pour conclure cette vidéo. Eh ben, un grand merci à Dexy et Eden. Et je conseille à toutes les personnes qui ont un chien, même s'ils pensent que comme il est jeune, ça va bien, de venir faire, enfin d'instaurer les bonnes bases pour pouvoir en profiter plus tard. Parce que nous, ça se passait bien petit et après, ça a dérapé parce qu'on n'avait pas forcément la bonne méthode. Et le fait qu'il ne soit pas régulièrement avec d'autres chiens, ben, ça commence à poser problème. Merci infiniment d'avoir adopté la méthode John. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je tiens à signaler que nous avons notre site internet lamethodegun.fr et d'ailleurs on a créé une nouvelle rubrique, la rubrique avis. Les avis des stagiaires qui ont réalisé la méthode John. Alors ce sont des avis qui ont été rédigés à la main, donc je vous invite à les consulter pour voir toutes ces différentes expériences des stagiaires. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'aventure continue avec les réseaux sociaux. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Tenez-nous bien évidemment au courant de l'évolution de votre compagnon. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Quant à nous, on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Shades of blue and gray. I feel just like an empty bottle. My dreams are on delay. I just wanna climb on top of a hill and throw it all away, away. Take me far away before my mind spins off and I am all derailed, derailed. Just drive. Il n'y a pas mieux qu'un chien pour comprendre les signaux qu'on voit à un autre chien, alors que nous, il y en a certains qu'on ne voit absolument pas. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément la bonne réaction, alors que la chienne, elle parle chien, et quand elle voit que ça se passe en chien, elle répond en chien, et c'est là que c'est... Enfin, que ça change tout par rapport à un humain qui va intervenir, qui ne saura pas bien exprimer au chien qui a un problème ce qu'il faut qu'il fasse, alors qu'un chien, entre chiens, ils arrivent totalement à se comprendre et ça va extrêmement vite. Hein. La chose aussi qui était hyper impressionnante, c'est qu'entre Dixie et Eden, elles ont chacune leur manière de faire. C'est pas quelque chose que tu as endoctriné, c'est vraiment, elles ont toutes les deux leur méthode, elles se complètent, elles se renforcent, mais c'est vraiment deux chiens à part entière, elles ont leur personnalité, elles ont leur manière d'agir, et ça c'est
très impressionnant, parce que je veux dire, on pourrait avoir un chien, on se dit ah oui c'est facile, c'est qu'un chien là, mais là t'en as deux, et elles font toutes les deux un travail différent de désensibilisation, ce qui est hyper efficace. Parce que, et adapté à chaque chien aussi, oui, parce que ça n'a rien à voir avec... Chapeau. Une expérience humaine, canine, c'est fort de... Tout à l'heure j'ai lâché ma petite larme quand je t'ai vu jouer avec Maëlle, et qu'il obéisse, qu'il interagisse avec toi, qu'il, c'est émouvant de sortir de là et de se dire ok, j'ai ma chance. Parce que réellement, comme on l'a dit précédemment, c'était vraiment la dernière chance que je me laissais, que je laissais à Maëlle, alors qu'au final c'était de ma faute. Au travers des vidéos, on voyait que t'étais quelqu'un de passionné des animaux. C'est... ouais, c'est quelque chose, parce que j'ai pensé à des trucs pas spécialement cool par rapport à mon chien. Qu'on repart de zéro et on part sur de bonnes bases, et que j'ai tout pour y arriver et que j'ai déjà eu des petits exemples, ben ouais, ça me conforte dans l'idée que j'ai bien fait. Et que franchement, je encourage tout le monde à le faire sans, franchement, sans hésitation. Demain, j'ai un deuxième chien, un troisième chien. Tu vois, ce qui m'angoisse, c'est le jour où tu vas me dire je prends ma retraite, quoi. Et en même temps, ben, je me dis que j'ai toutes les cartes en main pour y arriver. La méthode qui a été employée pour Jazz a été complètement différente de celle qui a été employée pour Rhapsody. Donc ça permet de dire que c'est pas du copier-coller, c'est bien adapté à tous les chiens en fait. Enfin, à chaque chien. C'est pas j'applique ça à tous les chiens sans tenir compte du chien. Faut arrêter d'être dans les choses prérequis en « je sais » et puis « on m'a toujours appris comme ça ». Là, c'est une grosse remise en question, et il faut faire un RAZ sur tout ce qu'on sait pour réapprendre des nouvelles choses et pouvoir les appliquer, quoi. Je pensais avoir un chien peureux, et en fait il n'en est rien. En fait, c'est venir à la méthode Gun pour se rendre compte que c'est nous qui avons besoin d'y aller et pas forcément le chien. Voilà. Mais le chien est la référence qui fait que on a mal aux dents, on va chez le dentiste, alors qu'on devrait aller chez le dentiste avant d'avoir les mal aux dents. Il y a une méthode. Voilà, il y a une méthode qu'il faut travailler pour que ça devienne... je dirais une culture et quelque chose que je vais être amenée à faire naturellement. Au départ, il y a certainement beaucoup de travail, et puis ensuite, une fois que moi j'aurai les bonnes habitudes et le bon pli, ça sera plus simple au quotidien à mettre en pratique. On a pas mal vu le travail que tu as fait avec tes chaînes, avec le jeune bosseron qu'on a accompagné là pendant ces quelques jours, qui est Edouard, tout effectivement un travail progressif, tout en douceur avec tes chaînes. Donc ça, c'était assez émouvant à voir, que même en regardant tes vidéos, il y avait tout ce que tu ne montres pas dans tes vidéos. Tes vidéos, elles sont là pour montrer le travail que font tes chiens. Toi, tu ne montres pas le travail que tu fais, toi. Mon chien a quand même déjà 6 ans. Je ne me suis pas dit c'est cuit, pas du tout. Je pense qu'il n'y a pas d'âge. Je pense qu'il n'y a pas besoin peut-être d'attendre que le chien ait un problème. Moi, finalement, mon chien, il n'a pas de problème avec les autres chiens. Et je suis venue quand même. Messieurs, dames, je vous propose de découvrir cette laisse double poignée, la laisse Eden. La laisse d'éducation qui va vous permettre d'avoir une marche en laisse cohérente. On est effectivement sur du gazon. On va pas apprendre à votre chien à marcher en laisse sur du gazon, puisque le gazon devrait être plutôt associé à un espace de liberté. Et à la méthode Gun, on ne fait pas de conditionnement. C'est trop court. Ouais, trop court. Ouais. Trop court. Ouais. Ah oui, on est bien. Nous, on est bien avec vous, quoi. Il y a tellement de choses à apprendre. À voir. Ouais. Et grosse remise en question sur nous, quoi. Bon, on voit pas... toi, tout ce que tu fais en fait, ouais. Tout le travail que tu fais à côté, et la bienveillance quand même que tu as sur tous les animaux, quoi. Ça se voit un peu, mais pas à ce point là quoi. Là on le vit, ça fait Je suis heureuse parce que je vois que mon chien s'épanouit, qu'il est heureux. Je sens qu'il a franchi une étape et ça peut que s'améliorer. Et c'est extraordinaire déjà tout ce qu'il a réussi aujourd'hui. L'apprentissage se fait pas avec les croquettes et les friandises. Voilà, ça c'est vrai que c'est très courant. Bah, sur le long terme, ça fonctionne pas. Moi je me rends compte que si elle a quelque chose de plus intéressant à faire, pourquoi elle reviendrait juste pour prendre une friandise alors qu'elle peut être à des kilomètres en forêt? J'invite les internautes à consulter l'article que j'ai publié sur mon site lametalgun.fr, rubrique blog. J'explique à travers ce blog les raisons pourquoi je n'utilise pas la friandise. Ici, nous sommes dans une méthode naturelle, individuelle, personnalisée. Une méthode naturelle, la méthode Gun, qui porte le nom de ma chienne. Bien,
Un dernier mot pour la fin, pour conclure le stage de la méthode Gun. C'était super. Merci beaucoup. On va se retrouver, j'espère, bientôt. Oui. Barbecue. Au chaud. Il fera meilleur. Ça fait plaisir. Merci à toutes et à tous. On se dit à bientôt.